Effectivement, avec notre cycle d'exposition donc autour de l'intelligence artificielle et de la robotique qui avait eu lieu d'octobre à novembre. Donc je vais vous présenter, c'est une petite présentation très rapide et à mon avis, je serai... Ah, pourquoi? Si, ça y est, ça doit être bon. C'est bon, ouais. Ouais. Donc l'intelligence artificielle, effectivement, et la robotique aujourd'hui est un sujet qu'on va retrouver dans beaucoup de domaines, et notamment la domotique. Et puis, effectivement, avec tous les préjugés et les choses qu'on peut retrouver autour de ça. Donc, est-ce que c'est quelque chose que l'on doit craindre? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire évoluer nos vies vers du meilleur. Donc voilà, là, c'était une douzaine de panneaux sur la partie exposition qui permettait essentiellement aux visiteurs de s'interroger autour de ces nouvelles technologies. Donc d'octobre à décembre, on avait énormément d'accueils de classes, de programmés, d'accueils de loisirs. Malheureusement, le mois de novembre nous a pas permis de faire tout ce que l'on souhaitait faire avec le confinement 2.0. Ah, pourquoi il passe pas sur l'autre? Hop. Donc voilà, en fait, je vous présente quelques panneaux assez rapidement. Donc, ce que je fais au niveau des accueils de classe, c'est que la première question qui était posée aux élèves ou aux jeunes des accueils de loisirs, c'était pour vous, qu'est-ce que l'intelligence? Qu'ils puissent déjà se faire une première approche et puis ensuite de faire le parallèle entre l'artificiel et le naturel également. Et c'est vrai que les enfants avaient quand même beaucoup de choses à échanger. On a aussi énormément abordé donc l'utilisation qu'ils en ont au quotidien, aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants, pour justement faire le parallèle entre de la science-fiction dans le livre, dans la bande dessinée, et puis dans l'utilisation que nous en avons de nos jours. Également, tout ce qui est recherche spatiale et médicale, c'est aujourd'hui avec tout ce qui est armée militaire, ce qu'on va retrouver le plus en termes d'évolution. Et puis également, sur d'autres principes. Alors, le travail et le droit, c'était plus effectivement pour les adultes. Aller parler à un enfant du droit du travail ou de ses droits légaux, c'est pas quelque chose qui le concerne plus que ça. Ensuite, la deuxième partie de l'exposition était, elle, très interactive. Alors, on a eu l'autorisation, puis on a essayé effectivement régulièrement de nettoyer un peu tous ces objets parce que c'était beaucoup manipulé, et par des enfants et par les adultes. Donc là, vous voyez des médiations qui avaient eu lieu avec des accueils de loisirs et également les mercredis de façon très ponctuelle en fonction des demandes des usagers, où on intervenait pour faire une présentation de tous ces robots, avec beaucoup de robots prêtés par la médiathèque départementale de l'Isère, parce que mine de rien, ces petites bêtes coûtent assez cher. Donc on a eu beaucoup de... Alors, on n'a pas eu toutes les classes que l'on souhaitait. Toutes les classes qui sont venues, tous les élèves des classes qui sont venus sont souvent repassés sur les vacances de fin d'année, où on a vu une hausse de la fréquentation de simples visiteurs et également avec beaucoup d'inscriptions de personnes qui ne connaissaient ou qui avaient entendu parler de la médiathèque, mais qui ne connaissaient pas plus que ça. Donc c'est vrai qu'on a vraiment vu un impact et puis une expo où les enfants revenaient quasiment tous les jours manipulés à chaque fois qu'on était ouvert. Donc très rapidement, voilà, on a eu donc intégré dans ce trimestre-là, on avait également la fête de la science avec l'association Planète Science, qui a été notre gros partenaire sur ce cycle-là. Donc avec la confection de petits robots pour finir sur des défis foot où les robots devaient pousser une balle de ping-pong sur la table. On utilise aussi chaque cycle, donc on a un gros projet, on a des gros objectifs autour de tout ce qui est éducation aux médias, un partenariat avec le collège du Grand-Lin, ce qu'on appelle l'école du blog, avec la possibilité de retransmettre en fait en direct et en live Facebook, parce qu'on ne pouvait pas avoir autant de spectateurs que nous l'aurions souhaité. Donc les gens ont pu suivre également sur Facebook tous ces petits défis de robots sur la journée.
Ensuite, il y a eu toutes nos activités ponctuelles, donc ce qu'on appelle nous les cultipousses, c'est des lectures de contes avec des petites animations, des petites activités manuelles qui sont proposées, qui tournent à chaque fois autour de la thématique du trimestre. Donc toutes nos actions régulières étaient autour de cette thématique-là. Et puis on devait avoir une représentation théâtrale au mois de novembre, qui du coup n'a pu avoir lieu qu'au mois de janvier, quand on avait pu recaler la date, parce qu'au mois de novembre, avec le confinement, nous n'avions pas pu le faire. Voilà à peu près tout ce qu'on a mis en place. Beaucoup de manipulation de la robotique. C'est vrai qu'on n'a pas pu aller très très loin dans ce qu'était la programmation et les différents langages de programmation, parce que chaque robot, tous les types de robots ont des programmations un peu différentes, et c'est assez chronophage à prendre en main, je dirais. Enfin, Laurence doit pouvoir en parler également à la MDI, parce que elle est un peu dessus aussi, et c'est vrai qu'Alexandre, même si effectivement il apporte beaucoup de choses, c'est prendre la programmation et à notre niveau et le retransmettre au public est quelque chose qui est très très chronophage. Voilà pour une présentation très succincte. J'ai pas ouvert mon micro. Bravo Grégoire. Alors on a rattrapé notre temps de retard grâce à cette présentation express, mais vraiment impressionnante, je trouve, de votre travail. Est-ce que vous avez des questions, Priscille ou Alors, Jean? il y a des remarques et puis enfin une remarque plus générale Et sur puis je vais le. couper mon partage d'écran. Merci, oui. Hop. Bon, déjà une question directe. Quel robot avez-vous utilisé? Quel matériel conseillez-vous? Alors, des robots, on en a utilisé pas mal. Donc, de la marque Ozobot, c'est des espèces de petits robots qui vous feraient penser à R2-D2 ou aujourd'hui un peu DB8, qui font de la reconnaissance de couleurs. En fait, on trace des circuits sur une feuille blanche avec des codes couleurs, et en fonction des codes couleurs qu'on lui met, il va avoir différentes actions, accélérer, ralentir, s'arrêter. Nous avons également utilisé, alors pour les plus petits à partir de 3 ans, il s'appelle Cubetto. Il porte très très bien son nom. C'est un petit cube qui se déplace sur des tapis à histoire, donc avec la possibilité de raconter l'histoire. Les enfants vont placer des jetons sur une télécommande géante. C'est dommage, je l'ai pas à côté de moi. Et en fait, vont devoir orienter le robot là où il est, là où il doit aller. Par exemple, il y a un tapis, c'est la mer. Cubetto a très très chaud, il va aller se mettre à l'ombre d'un arbre, donc il faut faire le parcours à Cubetto. Nous avons également utilisé donc hop ces petits objets-là, c'est ce qu'on appelle des cubelets. Vraiment, ce qui a été utilisé énormément par les enfants. Et qui aide énormément à la compréhension de ce qu'est un robot. Un robot, effectivement, la batterie, un capteur et puis un moteur. Cubelette, ça a été extrêmement utilisé et apprécié. Nous avons présenté également, donc, qui appartient également à la MDI, Sphéros, c'est un robot tout rond. Qui est pareil programmable, qui peut être utilisé, donc qui s'utilise avec une tablette et qui a différentes fonctions, donc soit en langage Scratch, soit également simplement en fait en dessinant avec son doigt la forme que l'on veut faire, le robot va se déplacer par lui-même quand on lui envoie l'information. L'autre que nous avons présenté qui a bien marché, ça y est, j'ai oublié son nom, le plus ludique. Qui était vraiment apprécié par les enfants. Ah, j'ai oublié son nom. Qui a une reconnaissance faciale. En fait, il est très très joueur. Plus on va le manipuler, plus il va apprendre des choses. C'est Cosmo. Cosmo, merci. Dont mes collègues ont été très très fans également. Voilà, Timio qui est donc merci Laurence. En plus, elle me les remet. Kit robot de la MDI. Donc Cosmo, effectivement, qui est extrêmement appréciable, qui est très joueur et qui fonctionne vraiment très très bien, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et l'autre en présentation également, c'était Timio. Timio, en fait, c'est presque le plus évolué malgré sa forme très basique.
Et il est utilisé en fait en apprentissage du codage dès le collège, et ça peut être utilisé même en ingénierie, en école d'ingénieurs, où ils vont vraiment utiliser les langages de l'informatique. Merci, Grégoire Joël. Oui, donc vous retrouverez sur le chat les noms des 6 robots de la MDI, le site aussi pour Ozobo, qui est apparemment très facile à manipuler. C'est également le cas de Cubeto, Timio, Ozobo, qui sans être une pro sont très faciles et interactifs. Deux questions, une question pour vous Grégoire sur votre métier. Vincent qui demande si vous êtes médiateur numérique et ou bibliothécaire. Bah les deux en même temps du coup. Non, au niveau de la bibliothèque, je suis référent de tout ce qui est fonds BD jeunesse adulte, et puis effectivement tout ce qui est médiation numérique, donc aussi bien bah voilà sur une expo comme ça, atelier d'initiation informatique, tout ce qui est développement d'un studio d'enregistrement son, et puis tout ce qui est aussi éducation aux médias. Merci. Une question aussi, quel est le nom de votre exposition? Et alors, a-t-elle été réalisée en interne? Alors, ça a été. Tous les panneaux sont réalisés en interne, donc effectivement, tout ce qui est panneaux d'affichage nous appartiennent à nous. Et l'intitulé, c'était Intelligence artificielle et robotique. Voilà, et oui, ça a bien été réalisé en interne. Alors après, effectivement, c'est appuyé un peu sur différents supports et différents outils existants, mais tout a été réalisé en interne, ouais. Merci Grégoire. Attendez, il y a une dernière question, je pense. Alors, est-ce qu'elle peut être prêtée? Ouais, alors, du coup, on y réfléchit, effectivement, parce que c'est vrai que les malles de la médiathèque départementale sont très intéressantes. Et effectivement, nous, on se dit, c'est dommage d'avoir créé cette exposition-là sur un cycle de 3 mois et de ne pas, et après de le ranger au fin fond de nos espaces de stockage. Donc, on y réfléchit. Pour l'instant, c'est pas acté, mais je pense que par la suite, ça devrait se faire, ouais. Encore un dernier message. Donc, ouais. Laurence qui précise que le kit robot est empruntable. Des remerciements. Et il y avait une question que j'ai passée qui est plus générale, plutôt sur qui ouvre le débat de l'après-crise, qui est le numérique a du bon. Je n'aurais pas pu venir au BiblioPitch en vrai et je suis ravi d'y assister à distance. Je ne pense pas être la seule. Et elle se demande si elle souhaiterait que cette forme-là continue ensuite parallèlement au BiblioPitch ou aux autres rencontres en présentiel. Je sens des envies de robots, effectivement, et d'hologrammes comme ça à travers les fenêtres, c'est vrai. Je me sens très intéressé par les robots. Là. Voilà, c'est peut-être notre avenir aussi à nous, hein, l'agence interprofessionnelle du livre. Alors juste par rapport au kit robot qui est empruntable, il faut bien penser à le demander un bon bout de temps à l'avance parce qu'il est très très demandé, me semble-t-il. Okay. Très demandé et ça dure 3 mois le prêt, donc on en a 2, donc forcément. Il va falloir investir, Laurence, j'ai l'impression, sur le petit robot là. On va au moins investir pour améliorer le club robot. On est en train de préparer une fiche projet qui va être soumise la semaine prochaine pour peut-être ajouter des petites choses sympathiques à ce club robot. Et juste par curiosité, mais pour nous plus, le kit robot, c'est un investissement de combien en termes financiers? Ouh là là, écoutez, je vais regarder et je vous mets la réponse dans le chat. On en reparlera. Sinon, je vais vous dire une bêtise. Je vais regarder, je vous envoie ça tout de suite. Pour donner une idée, donc les cubelets, là moi j'ai une malle de 18 cubes, c'est autour de 600 euros. Cubeto est autour de 200 euros et les mallettes qu'on a MDI, c'est des cubelets comme ça, 40 cubes, c'est 1500 euros. D'accord. Et l'ensemble de tout, ça fait beaucoup plus. Et ça fait beaucoup. Cosmo est autour de 500 euros, 500-600 euros. Sphero, c'est 80. Ozobot, c'est environ 80 euros l'unité, donc il faut multiplier par 6, je crois que vous en avez. Oui, peut-être voilà, donc, bien. Je vais retrouver. Voilà, c'est un vrai investissement. Oui. Ok, et eh bien merci beaucoup. Je pense que.